L'aspect visuel, quand on arrivait dans ce musée, était quand même assez impressionnant, puisqu'il y avait des fragments absolument partout. On avait des milliers de fragments de toute taille qui allaient d'une noix jusqu'aux fragments de 3 tonnes qui font plusieurs mètres cubes. اللي واجهناها في العمل داخل المتحف من حرارة الجو في الصيف وبرودته في فصل الشتاء، لأن الفريق استطاع أن يتخطى هذه الصعوبات والمشقة في العمل بفضل الدعم اللامتناهي من قبل أليف ومن قبل متحف اللوف في سد احتياجات ومتطلبات العمل من تمويل ودعم لتجهيز ما نحتاجه من آلات ومعدات للسيطرة على العمل. On a les très très gros, les très gros, les moyens et les petits. On a vraiment la sensation que leur but final c'était d'arriver à ça, quoi. Un tas de petits fragments. C'est pas quelque chose qu'on apprend, enfin, il n'y a pas une formation sur comment restaurer des statues détruites. La seule méthode, c'est de garder son calme. Ça a l'air un peu idiot à dire, mais c'est la seule chose qui est la plus efficace, c'est vraiment garder son calme. Quelque chose qui tombe, il y a un impact, et puis il y a une conséquence qui fait première cassure, deuxième cassure, troisième cassure, quatrième cassure. Donc il faut revenir en arrière pour revenir au point central. Là, on a une explosion qui a fait des cassures dans toutes les directions. Et après, pour arriver à les remettre ensemble, c'est très compliqué parce qu'ils s'encastrent les uns dans les autres. Et il y a des encastrements qui sont compliqués à gérer. Surtout quand c'est des grosses pièces comme ça. Ça, c'est des photos du Lyon avant Daesh. Là, on est vraiment sur la partie centrale avec le ventre. Ce morceau-là, il va venir se placer ici. Donc il va faire un quart de tour, il va rentrer à l'intérieur. La restauration de ce domaine-là, c'est-à-dire le Pulse en 3 dimensions. On n'est pas nombreux à s'intéresser à ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Il y a une espèce de jeu intellectuel dans la façon de s'y prendre qui est quand on a dépassé justement cette espèce d'angoisse de dire « mais comment est-ce qu'on va faire ?», ça devient un jeu. On travaille sur la base du trône, sur le puzzle de cette œuvre monumentale qui est déjà bien avancée. Et on en est à la phase de collage, remontage, petit à petit, bloc par bloc, on remonte cet ensemble. Ok, we tried, ok. Ils comprennent comment ça fonctionne et du coup ça donne confiance en soi, ils ont pris confiance en eux. Et ça avance bien. حقيقة يعني وصلنا لمرحلة إنه سنتر التفجير هي يعني النقطة اللي تكون دائما قطع صغيرة. تقريبا وصلنا 1000 قطعة إحنا مجمعيها بمنصة العرش. وبعد تقريبا وصلنا ما يقارب 80% منها، يعني ممكن نعبر 1500-1600 قطعة. يعني تيجي أيام ألقي قطعة، تيجي أيام ما ألقي أي قطعة، تيجي أيام ألقي 10-20 قطعة بنفس الوقت. فالعمل مستمر وإحنا بنشتغل
القطع انا اللي يعني اللي مفرحني انه اكو قطع، يعني ماكو نقص ان شاء الله، يعني اكو قطع لكن تحتاج وقت. انه toute cette partie là ils ont pas trouvé. هذا زين، ممكن احنا هذا الجزء لين تالف صار متهشم الى مجموعه قطع. Pour eux, c'est vraiment important de les restaurer. L'idée de départ, d'ailleurs, n'était pas que ça soit nous qui restaurions ces sculptures. Si on voulait que ça avance intelligemment, rapidement et efficacement, il fallait qu'ils soient impliqués dans l'histoire. Transmettre pour moi c'est quelque chose d'important, et d'ailleurs pour toute l'équipe qui travaille avec moi, c'était aussi un des critères de sélection par rapport à mes collègues. C'était effectivement efficace dans ce domaine, pouvant partir en mission à l'étranger dans une zone qu'on ne peut pas situer de très sûr, et puis surtout de transmettre un savoir. لا شعر بالخيبة. عملي هنا هو عمل تحدي. أنا متحمس لهذا العمل كوني أؤمن أنه قضية داعش هي صفحة سوداوية في قبالها هنالك صفحة مشرقة، وهي متمثلة بالأعمال التي يقوم بها الفريق العراقي إضافة للفريق الفرنسي. هذا يخلي بداخلنا حماس أنه ننجز هاي المهمة بصورة جميلة، حتى نثبت للعالم أننا نستطيع أن نعيد، أننا نستطيع أن نطوي صفحة ونبدأ صفحة جديدة ملؤها النجاحات والتفوق. إنه إحنا نرجعها، وأكيد هاي إحنا بصمة كلتنا، هذا الفريق له بصمة بإعادة هاي ترميم هاي القطع، وإن شاء الله إعادة افتتاح هذا المتحف.